Alexandra, allez ma belle, il est l'heure. Comme tous les matins, la solitude me réveille. Le bus m'attend, j'aperçois mes agresseurs. L'enfer ne fait que recommencer. Le cycle infernal va redémarrer. Zut, je suis bloquée. Salut Victime, tu appelles quoi? Je m'en fous, on pique que la sauce. Ça me prend l'os, ça peau sur les os. Même pas arrivé et déjà insulté. Je sens que ma journée va mal se passer. J'ai envie de gerber. Moi je les voyais faire et j'étais à deux doigts de m'interposer, de pas laisser faire ça. Sa tristesse me fait pitié, je peux plus le supporter. Mais si j'interviens, c'est moi qui vais morfler. Je reste à ma place, peine au fond de la classe. Alexandra, Alexandra, pourquoi tu t'es mutilée? Toi t'étais là, pourquoi tu n'as pas parlé? Alexandra, Alexandra, les autres ils ont rien capté. Toi t'étais là, mais parler c'est compliqué. J'aurais jamais pensé que ça aille aussi loin. On aurait pu stopper, mais on s'amusait bien. Elle avait simplement besoin de quelques amis, mais ça nous est marré de lui pourrir sa vie. Un beau soir d'hiver, elle a dit à sa mère: je vais me balader, besoin de prendre l'air. Puis du pont d'à côté, elle s'est envolée.